Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Gabon 24. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Au Gabon, le comité d'organisation du dialogue national planche actuellement sur les modalités pratiques de cette grande messe que beaucoup veulent ouverte à la société civile et à la jeunesse. Au Zimbabwe, Robert Mugabe, bientôt 93 ans, a une fois de plus écarté l'idée d'un départ à la retraite. Le leader historique de la ZANU-PF dit n'avoir pas trouvé pour l'heure un successeur acceptable. Voilà pour les titres. Débutons ce journal par le volet politique. Sous le slogan « Ensemble, préparons le dialogue politique », le comité ad hoc s'active à mettre en musique cette grande messe politique au Gabon. Sur le lieu où se déroulaient les travaux ce dimanche, Linda Gaël Maganga et Bertin Onsega. Repartis en groupe de travail, les membres du comité chargé de préparer le dialogue politique au Gabon planchent actuellement sur la liste des participants et les termes de référence, le règlement intérieur et les prévisions budgétaires. En ce moment, les travaux se situent au sein des groupes de travail qui ont été mis en place. Et je suis venu voir un peu comment les choses évoluent. Et ça évolue plutôt bien, dans une ambiance conviviale, très constructive. Et je note que les deux délégations, majorité et opposition, mettent de l'entrain à animer les débats de façon constructive, enrichir la réflexion sur les différentes thématiques qui seront prise en compte dans l'agenda du dialogue politique. À la suite de ces réflexions, interviendra la phase de mise en commun des résultats qui seront consignés dans un rapport et transmis au président de la République. Les groupes de travail vont tenir leur session jusqu'à mardi prochain. Et à partir de là, nous reprendrons avec les sessions plénières pour décider, adopter les documents qui sont en cours d'élaboration, en cours de préparation au sein des groupes de travail. Et une fois que ces décisions seront prises, nous aurons à rendre le rapport sanctionnant les travaux préparatoires au président de la République, chef de l'État, au terme de tout ce processus. Et nous pensons que la remise de ce rapport se situera la semaine prochaine. La date de la tenue du dialogue politique sera rendue publique au terme de toutes ces phases de préparation. Le Front uni des jeunes de l'opposition a effectué une sortie ce dimanche au quartier derrière la prison dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise. Il s'est agi pour les leaders de ce mouvement d'interpeller la jeunesse et la classe politique quant au rôle que la jeunesse gabonaise entend jouer dans la prise de décision. Gaël Mapessi, Lardi Ngemamba. Des leaders de cinq mouvements proches de l'opposition gabonaise se sont réunis ce dimanche à Libreville au sein d'un front uni des jeunes de l'opposition. Objectif, prendre part au prochain dialogue national après que les leaders dont ils sont proches ont décliné l'offre. Je vous ai dit tantôt, tout à l'heure, que nous trouvions incohérent que, au sein de l'opposition, nous ayons sollicité l'implication de l'Union européenne dans le processus électoral. Cette Union européenne a observé le déroulement
de tout le scrutin, a mené des enquêtes, a rendu un rapport, nous trouvons quand même incohérent que certains points de ce rapport aujourd'hui ne soient pas acceptés ou que certains points soient mal acceptés par l'opposition gabonaise et que d'autres, par contre, soient mis en exergue. Ces jeunes rassemblés souhaitent que la jeunesse soit fortement représentée et au plus haut niveau lors de cette grande messe politique. Ce que nous préconisons, c'est que la jeunesse doit s'impliquer activement dans les décisions qui engagent son avenir. Nous sommes là pour dire que nous sommes présents. Si des choses doivent se faire dans ce pays, il faut qu'elles se fassent avec la jeunesse que nous sommes. La jeunesse gabonaise, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité, est une et indivisible parce qu'elle partage les mêmes problèmes. Il lui faut une prise de conscience collective pour peser sur tous les débats politiques qui sont menés en vue de sortir le pays des stigmates de la crise post-électorale, pensent les fondateurs du FUJU, qui disent avoir été aux côtés des opposants André Mahobam à la présidentielle de 2009 et Jean Ping en 2016. Le leadership au féminin avec en toile de fond la solidarité entre femmes, c'est dans ce cadre que s'inscrit l'association féministe Les Mille et Une. Ce dimanche, le directoire et les adhérentes se sont retrouvés dans la commune d'Ovendo pour la rentrée solennelle du 10 mouvement. Le compte rendu de Linda Gaël Maganga et de Hervé Obian. Exister en tant que femme, mère ou fille, c'est le créneau de l'association féministe Les Mille et Une. Il s'agit de fédérer les femmes autour d'un objectif, le leadership au féminin, et briser le tabou, pousser la femme gabonaise vers la croissance et le développement. Nous avons déjà le tabou. Nous brisons le tabou parce que nous parlons, nous brisons le tabou parce que nous agissons, nous brisons le tabou parce que nous osons. Nous brisons le tabou parce que nous entrons dans certains milieux fermés où on nous disait que non, ça c'est l'apanage des hommes. Nous brisons déjà le tabou. L'association Les Mille et Une veut mettre les femmes gabonaises au centre de l'action publique en les sensibilisant sur leur rôle de moteur et modératrice de la vie sociale et politique au Gabon. La femme souvent est utilisée pour des activités qui ne la valorisent pas. Alors qu'elle peut justement, elle est une harmonie si elle est venue en soutien à l'homme depuis les origines de temps, depuis la création de l'homme, c'est tout simplement parce qu'elle doit apporter un plus, être le partenaire. Mouvement féministe, c'est parce que tout simplement nous luttons contre le préjugé. Mouvement féministe, c'est parce que tout simplement nous disons non à certains textes discriminatoires. Mouvement féministe, c'est que tout simplement nous disons non à certains harcèlements qu'on peut subir partout. C'est un programme manifestement riche qui a été dévoilé aux membres de l'association lors de la rentrée solennelle ce dimanche dans la commune d'Ovendo. Au Gabon, alors que la destinée de la femme bat son plein, les femmes sont déterminées à montrer leur savoir-faire. Le pagne-africain a regagné sa place dans bon nombre de garde-robes. Au Gabon, par exemple, porter le pagne est une manière de vendre la culture africaine. Le reportage de Gabriel Ratanga et Bertin Osaga. Le pagne est une pièce de tissu avec laquelle une personne couvre son corps des hanches jusqu'aux cuisses, pagne court, ou jusqu'aux chevilles, pagne long. Il est généralement composé d'une seule pièce ou d'une pièce et d'une ceinture. Il peut être simple, coloré, imprimé, brodé ou décoré de diverses manières. Selon les époques, les cultures et les âges de la vie, le pagne est mixte, ou tantôt porté par les femmes, par les hommes. Ayant perdu sa notoriété il y a quelques années en Afrique au profit de plusieurs tissus occidentaux, le tissu pagne africain est aujourd'hui considéré comme une identité culturelle. Le pagne, ça va dans notre culture en fait, c'est pour valoriser notre culture et ça va bien avec notre climat. Donc ça nous représente bien l'Afrique. Des confectionneurs de tenues l'ont intégré dans leur activité comme un tissu haut de gamme pour valoriser ce dernier avec des touches assez particulières, notamment la broderie. J'ai opté pour la couture de pagne pour valoriser le pagne africain parce qu'on a remarqué que les gens avaient tendance de porter le moutouki dans les habits importés. Bon, nous on a opté pour le pagne pour valoriser le pagne africain. Brandissant les différentes évolutions de la société, le tissu pagne pourrait être un laissez-passer dans les administrations au Gabon en vue de vendre au mieux son identité culturelle, comme c'est le cas dans certains pays, notamment le Bénin.
Ouvrons la page Afrique avec l'inauguration d'un centre névralgique de renseignement en Ouganda destiné à coordonner le combat contre un groupe armé musulman ougandais responsable celui-ci de massacres en République démocratique du Congo voisine. Le reportage de Gabriel Ratanga. Les pays de la région des Grands Lacs ont inauguré samedi un centre névralgique de renseignement destiné à coordonner le combat entre les forces démocratiques alliées, un groupe armé musulman ougandais responsable de massacres en République démocratique du Congo voisine. Cette idée est venue quand on a réalisé que l'ADF avait cessé d'être un problème uniquement pour l'Ouganda, que c'était devenu un problème régional, qu'il menait des massacres dans l'est de la RDC, que ces cellules se répandaient dans toute la région. Créé pour défendre les droits de musulmans s'estimant bafoués par l'homme fort de Kampala, les ADF ont été progressivement repoussés vers l'ouest par l'armée ougandaise et se sont installés en RDC. Ils ont causé de nombreuses atrocités sur les populations civiles de l'est de la RDC. Comme vous le savez, le président de la RDC est venu visiter ce pays pour rencontrer son Excellence le président de l'Ouganda pour comparer les projets pour contrer les activités de l'ADF. Donc oui, il y a une nouvelle activité de l'ADF. Selon les sources militaires congolaises et onusiennes, le groupe s'est renforcé cette année avec des recrutements en Tanzanie, au Burundi, au Kenya et en Somalie. Le centre est basé à Kazès, ville du sud-est de l'Ouganda, située à proximité de la frontière avec la RDC. Il sera géré par 8 experts en sécurité d'Ouganda, de RDC, de Tanzanie et du Kenya, sans compter un nombre indéterminé d'employés travaillant sur leurs ordres. Et puis, vous le savez, la Gambie a célébré samedi, en présence de milliers de personnes, l'anniversaire de son indépendance et l'investiture de son président Adama Barrow, qui met fin à 22 ans de pouvoir sans partage de son prédécesseur Yahya Jammeh. Suivez cet élément. Indépendant depuis le 18 février 1965, la Gambie a célébré sa première fête de l'indépendance sous la présidence d'Adama Barrow. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs dirigeants africains au stade de l'indépendance à Bakou. On voit beaucoup de gens porter des vêtements sur lesquels il est écrit « La Gambie a choisi ». Les gens ont pris leur décision et le pays entier a parlé. Et cette unité, à mes yeux, est un pas dans la bonne direction pour la Gambie. Double événement pour la Gambie qui a par la même occasion célébré l'investiture du président élu en décembre 2016 et qui devra à nouveau prêter serment devant la Cour suprême. Pour certains, c'est une première. Je n'étais jamais venu aux célébrations d'indépendance avant, mais celle-ci était si spéciale que je la voulais mémorable. Je remercie tous les participants et comme l'a dit le président, c'est une Gambie nouvelle aujourd'hui et beaucoup de bons développements nous attendent. Lors de cette cérémonie, 52 pigeons ont été relâchés, un par année d'indépendance de cette ex-colonie britannique. Le très controversé président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a une nouvelle fois écarté dimanche, à quelques jours de ses 93 ans, l'idée d'un départ à la retraite en arguant qu'il ne disposait pour l'heure d'aucun successeur acceptable. Le récit de Linda Gael Maganga. À quelques jours de la célébration de son 93e anniversaire, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a une fois de plus écarté l'idée d'un départ à la retraite. Au pouvoir depuis 1980, le président du Zimbabwe a dit ne pas avoir dans le viseur celui qui sera à même de lui succéder à la tête du pays. En ces termes, la majorité des gens pensent qu'il n'y a personne pour me remplacer, aucun successeur possible qui leur serait acceptable, aussi acceptable que je le suis. Son parti, la ZANU-PF, l'a déjà désigné pour briguer un nouveau mandat lors du scrutin présidentiel de 2018. Et l'an dernier, Robert Mugabe avait assuré qu'il comptait diriger le pays jusqu'à ses 100 ans. Il reste actuellement le plus vieux chef d'État en exercice de la planète. Au moins 14 personnes ont été tuées ce dimanche par l'explosion d'une voiture piégée à un carrefour de la capitale somalienne Mogadiscio. Le récit de Linda Gael Maganga. L'explosion d'une voiture piégée fait une vingtaine de morts et de nombreux blessés à Mogadiscio.
L'attaque s'est produite dans un carrefour très animé du quartier de Madina, dans le sud de la capitale, où se trouvaient de nombreux commerçants, des civils faisant leurs courses et des militaires de faction. Une voiture piégée a explosé dans le marché à une heure où il était très fréquenté. Elle a tué au moins 20 personnes et fait de nombreux blessés. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué par les islamistes de Chibab, qui avaient par ailleurs revendiqué l'attentat qui avait causé la mort de deux enfants non loin du lieu de la passation de charge entre le président sortant et le nouveau président de la Somalie. Protéger les civils en les gardant chez eux, la stratégie adoptée par les forces irakiennes dans la bataille de Mossoul a jusqu'à présent été perçue comme un succès. Mais les craintes pour les habitants se renforcent à l'annonce de l'offensive sur l'ouest de la ville. Reportage. Rester ou fuir Mossoul, depuis octobre 2016, c'est un casse-tête pour les centaines de milliers de civils pris entre deux feux. Malgré les combats, Hazem a décidé de rester dans la ville. C'était une bonne décision, ça s'est bien passé pour nous dans la partie Est. Même si Dieu en a épargné certains, ceux qui sont partis de chez eux ont été blessés. C'est plus sûr de rester chez soi. Ceux qui ont décidé de fuir ont souvent trouvé refuge dans ce gigantesque camp à 30 km de Mossoul. Taha et sa famille ont fui en pleine nuit pour traverser la ligne de front malgré les tirs. Je veux dire aux gens de l'ouest de Mossoul que s'il y a beaucoup de bombardements, il vaut mieux rester caché, chez soi. Mais s'ils ont une chance de fuir le groupe État islamique, il faut fuir, c'est mieux. Au total, plus de 200 000 personnes ont été déplacées par les combats, beaucoup moins que les estimations des ONG, qui s'attendaient à un exode massif de cette ville de plus d'1,5 million d'habitants. Les forces de sécurité irakiennes ont pu protéger des centaines de milliers de civils à l'est de Mossoul. 550 000 civils sont restés chez eux. Leur intention est d'utiliser le même concept humanitaire pour les opérations à l'ouest de Mossoul, tant que c'est efficace. Les forces irakiennes encouragent les civils à rester chez eux. Une manière d'éviter l'utilisation d'armes plus lourdes et des destructions de grande ampleur. Elles veulent aussi empêcher que des membres de l'organisation État islamique en profitent pour fuir ou pour s'infiltrer. Nous avons constaté que le groupe État islamique vise les gens qui essaient de fuir, en particulier pendant la première phase des opérations. Ils visent les civils et causent beaucoup de pertes. Donc s'ils restent chez eux, on peut les protéger. Comme nous l'avons vu à l'est de la ville, ils sont restés et nous les avons protégés. 50 000 déplacés ont déjà pu rentrer chez eux à Mossoul, d'après l'ONU, mais les forces irakiennes ont lancé une nouvelle offensive contre l'organisation État islamique, cette fois contre l'ouest de la ville, plus peuplée, plus dense. Une bataille qui s'annonce plus rude et encore longue. Au Brésil, cette fois, les telenovelas sont une passion nationale, un marché largement dominé par le géant brésilien Globo TV. Mais il y a deux ans, sa concurrente TV Record a réussi à battre des records d'audience en misant sur la telenovela biblique. Après les 10 commandements et Terre promise, la chaîne tourne actuellement sa troisième super production, Le Riche et Lazare. Suivons le récit de Ludmila Tuntum. Le Brésil compte le plus grand nombre de catholiques. Quelques pas suffisent pour aller de l'antique Babylone à Jérusalem. Dans les studios dignes d'Hollywood, on tourne des telenovelas bibliques qui font fureur. La telenovela de TV Records, filmée dans un décor grandiose, s'intitule « Le Riche et Lazare », du nom d'une célèbre parabole de l'Évangile selon Saint Luc, mais de nombreux passages de l'Ancien Testament ont aussi servi d'inspiration aux scénaristes. En réalité, ce qu'on a ici, c'est une reconstitution historique, une belle histoire qui est bien racontée. Elle se passe 600 ans avant Jésus-Christ, mais elle pourrait très bien avoir lieu aujourd'hui, car elle parle de conflits très actuels. Toutes les trames, les conquêtes d'empires, tout cela est très actuel. Les visions des prophètes ont toutes fini par arriver. Tout cela est très riche et crée un univers fantastique. Même si certaines scènes sont recréées avec des animations 3D, la plupart sont tournées dans ces studios pharaoniques de 41 000 m2, l'objectif étant de rappeler sur les préceptes de la conduite éthique qui se doivent d'être respectés et sensibilisés à la grandeur du Dieu créateur. On montre, on propage la bonne parole. Et les gens finissent par se dire, ce Dieu est puissant, ce Dieu existe,
Et c'est comme ça que ça commence. Incroyable. Dieu a guéri. Et petit à petit, ça rentre dans les têtes des gens de telle manière qu'ils finissent par croire que Dieu existe réellement et se mettent à chercher une église. Le premier épisode sera diffusé en mars prochain sur la chaîne de télévision détenue par le pasteur controversé Edir Macedo de l'Église universelle du règne de Dieu. Le rappel des titres. Avant de nous quitter, nous avons eu au Gabon le comité d'organisation du dialogue national qui planche actuellement sur les modalités pratiques de cette grande messe que beaucoup veulent ouverte à la société civile et à la jeunesse. Au Zimbabwe, Robert Mugabe, bientôt 93 ans, a une fois de plus écarté l'idée d'un départ à la retraite. Le leader historique de la ZANU-PF dit n'avoir pas trouvé pour l'heure un successeur acceptable. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24, l'information continue.